de la réunion du 17 juillet 2022, nous, membres de Kalongola Développement, réunis à une réunion extraordinaire et a comme ordre du jour, premier point, changement de la dénomination ARECA. ARECA veut dire Association des ressortissants de Kalongola à Kalongola Développement. Deuxième point, réaménagement de certains membres du comité directeur de Kalongola Développement. Troisième point, fixation de la date de l'Assemblée générale qui aura lieu le 31 juillet 2022. Quatrième point, proposition de la descente des autochtones de Kalongola à Nyamboko pour dire que nous, autochtones de Kalongola, nous déciderons de prendre langue avec les responsables de nos différentes coopératives pour discuter sur la dite descente. Qui sont nommés dans les différents postes de Kalongola Développement. Au niveau de la présidence, nous avons M. Boniface Kamango, c'est le président. Vice-président, Luntimba Sinatra. Poste de secrétariat, Keba Mwali Augustin, Menes Saloumou. Au poste de trésorerie, Wabingwa Kipindula, Angelani Asumani, Kagoga Trésor. Au poste de relations publiques et presse, Dr. Christian Matenda, Feza Kalongola, Bikenge Nguatala Simon, Idumba Wita Meda, Michel Idumba. Au poste de disciplinaire, Lubinga Elias, Aongake Masumbuko. Au poste de conseillerie, il y a Maître Bernard Mwangu Idumba, Papa Ikila Jean-Jacques, Docteur Bemwisi Katumbi, Pasta Lubango Soumaïli, Kikuni Soumaïli Denis, Idumba Zamuziko. Au poste de commissaire au compte, Kikuni Makombo Jean, Biakita Bemwisi, Idumba Wita Albert. Au poste de protocole, donc ceux qui seront maintenant chargé d'arranger la cuisine. Il s'agit de la sœur Georgette Willy.